Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. En fait, je vais vous faire une série de créations qui sont sur le thème animalier, toujours on reste vraiment sur le thème de la chaîne. Mais je sais pas si vous le savez, j'aime énormément créer et je voulais vous présenter quelques tutoriels. Alors là, il y a les tutoriels de base que je vous présente qui sont vraiment utilisables pour les chiens. Et maintenant, je voulais vous présenter des tutoriels pour faire de la déco autour de vous sur le thème animalier. Donc je pense que vous connaissez aussi mon amour comme des bêtes, donc vous allez voir une petite série aussi qui est liée à ça. Donc je voulais vous présenter des créations en amas. Donc les amas, ce sont ces petites perles comme ceci qu'on fait chauffer à l'aide du fer à repasser. Donc là c'est la partie fondue qui est sur l'arrière, ce qui sert à lier toutes les petites perles et on peut faire des motifs avec. Donc je ne sais pas si vous l'aurez reconnu pour ceux qui ont vu le dessin animé, donc ces petits choux du dessin animé comme des bêtes que j'ai fait. Donc la petite perruche, les couleurs changent un petit peu parce que j'ai pas forcément les bonnes nuances. Donc voilà, j'ai créé ce petit modèle-là, je vous montrerai juste après comment je l'ai réalisé. Je vous mettrai les photos sur le blog pour avoir le modèle bien exact pour si vous voulez vous suivre sans le détail de la vidéo. Mais voilà, je l'ai mis, on les mettra en déco. Je pense que je les mettrai le long de ce meuble-là, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. Ou alors je vais donner à mon petit frère, je vais faire une version plus petite avec des micro-amas. Parce que ça c'est la taille midi, donc ça c'est la taille standard. Et moi je vais en faire en taille mini qui sont moitié moins grands. Donc voilà, je vous laisse tout de suite voir comment j'ai fait petit chou sur en amas. Donc voilà, j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaira. Ça changera un petit peu, ça fera des petites vidéos rapides mais qui restent sur le thème animalier. Sauf que ce sera de la décoration pour vous, pour aménager, je sais pas, si vous avez une chambre où vous aimez avoir le thème animalier, si vous avez des animaux pour décorer leur espace personnel. Et l'avantage c'est qu'avec les amas, je ne ferai pas que les chiens mais le plus de modèles possible. Donc cette fois-ci, c'est un oiseau, ça change un petit peu. Des animaux que je parle habituellement. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la partie accélérée de la création que je fais. Si vous voulez que je fasse plus lentement et avec du parler, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais faire également sur des modèles beaucoup plus compliqués. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez grand soin de vous-même, prenez grand soin de vos loulous, prenez du bon côté. Bye bye, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.